Allô amis du net, c'est parti pour le tuto du jour. Dans un saladier, je vais verser 500 ml de farine de blé tout usage, 250 ml de sucre, une cuillère à soupe de sucre vanillé, une cuillère à thé de sel, 10 ml de poudre à pâte, puis je vais réserver. Dans un autre saladier, je vais éplucher 6 bananes mûres auxquelles je vais rajouter 75 ml d'huile végétale, 50 ml de lait, 4 œufs. Puis, je vais venir bien délayer le tout. C'est pas grave s'il y a quelques grumeaux de banane. Ensuite, je vais faire un puits dans ma farine et je vais venir verser mon appareil. Ensuite, avec mon batteur électrique, je vais venir bien mélanger et mixer de sorte à obtenir une pâte fluide et homogène sans farine en dessous. Il faut vraiment bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter des pépites de chocolat, ce qui est facultatif. Vous pouvez rajouter aussi des noix hachées, pourquoi pas, et au goût, bien sûr. Ensuite, dans un moule à pain préalablement graissé, je vais verser mon mélange dans ce moule-là. Et je vais le cuire au four pendant 1 heure à 180 degrés. Ensuite, je vais sortir mon pain du four. Je vais laisser complètement refroidir avant de démouler. Et voici, c'est tout pour le tutoriel du jour. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces. À bientôt! Alors, ce qui est bien de cette recette-là, c'est que vous pouvez faire des portions individuelles, par exemple, si vous avez des enfants, pour le goûter ou pourquoi pas pour vous-même, pour le bureau. J'ai une question et je parie que d'autres aussi se posent la même question. La machine là, oui. Si tu n'as pas ça, tu peux délayer comme on t'a vu faire. Ma chérie Coco, si tu n'as pas de machine, tu peux prendre le fouet qu'on prend pour fouetter les œufs là, ou bien avec ta main, tu mélanges ça bien, ce qui est sur le goût de ça. Faut faire, et puis tu reviens me voir. Ça marche. Alors, on te retrouve dans 2 semaines. Merci beaucoup, Yvonne. Merci beaucoup. Au revoir, Amitunette.